Yop yop tout le monde, alors comme vous avez pu le voir dans l'opening des 4 étoiles, on a obtenu Korg et le chef de mon alliance voulant un Korg assez rapidement 4R5 ou 5 étoiles, mais bon 5 étoiles faudrait aller le chatter, au moins 4R5 pour la dev d'alliance, bah voilà j'ai chaté Korg en 4 étoiles, enfin chaté tout est relatif, hein, mais je suis le premier de l'Alliance, sauf erreur de ma part, à le choper, ou en tout cas le premier à se manifester. Donc on en a besoin 4R5. Donc bon, là je viens de up, il y a un up de niveau, j'ai up les premiers rangs, il n'y avait pas forcément d'intérêt. Mais comme d'habitude, comme c'est un 4R5, je vais vous le faire en vidéo. Et vous voyez qu'il me manque des katas basiques, mais on va aller les chercher dans les cristaux. Donc je pourrais aller les chercher avec la gloire, mais là la gloire ça commence à être une denrée rare, je suis en train d'en perdre, enfin d'en dépenser plus que je n'en gagne, donc on va aller ouvrir des cristaux, parce que bon vous savez que j'ai beaucoup de cristaux de quête d'alliance, et on va aller s'ouvrir tout ça. Alors par contre je sais pas où ils sont, voilà ils sont là. Pourquoi il y en a des différents? Il y a encore eu une mage? Donc ouais, vous pouvez voir que je fais la vidéo, donc comment dire, que je fais la vidéo avant d'avoir fait l'opening des cristaux de Kang. A priori, elle sortira après, hein, mais bon, ça change rien, hein, au compte. Bah écoutez, on va ouvrir les 5. Je comprends pas trop pourquoi il y a des différences là, mais on va ouvrir les 5. Je sors juste mon tableau Excel où il y a mes données pour pouvoir modifier quand j'en aurai fini. On va commencer tranquillement. Alors, ce qu'il me faut, c'est du basique. Tout le reste sera du positif, enfin du bonus. Maintenant, si on pouvait choper un peu de mutant, ça m'arrangerait. Parce qu'en mutant, il va falloir que je up de nombreux, nombreux, nombreux persos. Donc, voilà. Alors, voilà, cristaux de map 5, c'est bon. J'ai ce qu'il faut. Ok, le premier basique, il en manque 3. Si on pouvait en avoir des directs aussi, je préfère là avoir du basique plutôt que des classes. Ok, c'est pas mal, la basique qu'on obtient. Si on obtient 5000 par 5000 tous les 10 cristaux, voilà, encore 7000 là, c'est pas mal. Bon, allez, on s'en va, il faudrait aussi des cristaux en entier, hein. Ce serait sympathique. Même si c'est que du basique, entre guillemets, c'est pas forcément la meilleure des récompenses, mais moi je le prendrais. Bon, vous allez arrêter avec toutes vos orbes de merde là. Si encore elles en valaient la peine, ok, mais ce n'est pas le cas. Alors, est-ce qu'on n'en formerait pas un? On forme un science. Est-ce que j'ai besoin de science? Je sais plus. Je sais plus, je sais plus. De toute façon, j'ai quelques trucs à monter en science, donc c'est pas un souci. Et on chope un science en entier. Donc on chope un science en entier. C'est le deuxième que je chope dans les cristaux de carte 5. C'est cool. Hop, et un basique qui se forme, mais bon, ça c'est normal, hein. Donc il manque deux basiques. Allez, on va accélérer un petit peu. What? Eh ben putain, c'est le meilleur tirage de 10 de ma vie. Donc un mystique qui monte notre nombre à 5. Mystique obtenu grâce aux cartes 5. Un virtuose et un mutant. Donc le mutant c'est génial. C'est vraiment génial. Et le virtuose, bon, ça m'augmente le stock. Mais là je vais en utiliser 3. Donc on va dire que voilà, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que je suis en gros manque de virtuose. En tout cas en 5 étoiles. C'est vrai que j'aurais bien aimé en avoir un peu plus. Des 5 étoiles à monter. Parce que je suis un peu ric-rac là. J'aimerais ouvrir des cristaux en gros, je voulais ouvrir mes cristaux de quête d'alliance. Normalement pour obtenir des katas de mutants. Et comme je suis ric-rac dans d'autres classes, j'hésite un peu à ouvrir. Mais bon là, c'est vrai que j'ai pas le choix pour avoir du basique. Mais voilà. Donc il va manquer deux katas basiques. Donc on va ouvrir les cartes 6. On va ouvrir les cartes 6. Mais en tout cas, excellent tirage là. 4 cristaux pour 120 katas. 4 katas pour 120 cristaux, pardon. C'est assez énorme. Donc, on va ouvrir les cartes 6. Allez. Allez, allez. Ok. Et c'est quoi qui a été formé aussi? Ok. On va former un peu de tout, forcément, hein.
Mais là, ce que j'aimerais particulièrement, c'est le basique. Ok, parfait, il va en manquer un. Un. Et a priori, rien n'a été formé. Donc on en a ouvert 18. C'est marrant. Dernière fois aussi, j'en avais ouvert 18. Alors, il nous en manque un, sachant qu'on vient de le construire. Alors, on va ouvrir les derniers et on prendra avec la gloire pour ce qui reste, hein. Normalement, avec la gloire, ça suffira. Mais si possible, si on pouvait le chater là-dedans. Allez, il en reste 12. Non, ça n'a pas suffi. Bon, les deux derniers. Ça n'a pas suffi non plus. Ok, plus 12. On va aller prendre avec la gloire, ça ira plus vite, hein. J'aurais bien aimé ne pas prendre avec la gloire, mais tant pis. Donc, donjon, gloire. Non, ça fait un peu chier quand même. J'ai pas de récompense normalement, hein. J'ai pas de récompense. Bah écoutez, pas le choix. Pas le choix, pas le choix, on va prendre avec la gloire. Et on va en profiter pour du coup acheter le reste. Comme d'habitude. Hop. Parce que vous voyez que la gloire, hein, ça ne cesse de descendre. Et voilà. Bah écoutez, on est parti pour monter le Korg, hein, après la vidéo, je sais pas combien de temps elle dure là, mais on est parti pour monter le Korg, le Korg, pardon, qu'on essayera tout de suite derrière. Alors, hop, il est là. On lui monte son petit rang. On l'éveillera aussi, et on lui mettra le max de pierres. On utilise tout là? Oui, a priori, on utilise tout. J'ai une gemme à ouvrir, donc on va aller l'ouvrir. Avec un peu de chance, on chopera le science. Si on peut éviter d'utiliser une gemme basique pour ça, ça m'arrangerait. De toute façon, il faut bien les utiliser, hein. J'ai pas non plus énormément de persos à up, donc on peut se permettre d'utiliser une basique. Allez, je suis pas en train de tricher, hein. Vous pouvez balancer la sauce. Parce que les bugs de réseau, c'était soi-disant, enfin, c'est soi-disant parce qu'il y a un gars qui a triché. En s'injectant, je crois, des pierres spéciales dans son compte, et il les a utilisées bah, par 50, enfin je sais pas par combien, mais il les a utilisées en masse. Et depuis, bah, à chaque fois que vous utilisez quelque chose avec une grosse quantité, donc que ce soit des pierres, de l'iso ou autre, bah, entre guillemets, l'ordinateur de Kabam vérifie que vous soyez pas en train de tricher. Alors, on va essayer de faire ça bien. Il manque combien? Alors, il faudra un 75. Si on met un 525 et un 125. Non, là on y perd aussi. Bon, allez, c'est pas grave. Hop, donc le Korg est au max. Ça va être bien pour les arènes, ça, vu que pour les donjons, pardon, vu qu'il me manque. Comme je vous ai dit, il faut que je monte du virtuose vraiment, hein, mais j'en ai pas à monter, que ce soit en 5 ou 4, j'aimerais éviter, quoi, parce que ça coûte cher. Mais en 5, enfin, j'ai pas ce qu'il faut. Donc voilà, pour les donjons, là, ça va faire du bien, parce que Korg n'est pas non plus un perso de merde en attaque. Et là, on va essayer de chatter la gemme virtuose. Parce que j'en ai une à ouvrir grâce à... comment ça s'appelle? Grâce à la quête du champion. Donc allez, ce sera pas une virtuose. Par contre, la tech, c'est magnifique. La tech, c'est cool. Et du coup, bah, en plus, on est en utilisation d'objets normalement. On va pas gâcher ça, même si on a déjà fait le max. Je sais pas si ça va nous donner un classement. On va monter Korg au max. Hop. Hop. Oui, c'est vrai qu'il faut que j'éveille Blade aussi. Et tout ça, utiliser. Hop. Hop. Alors plutôt que d'utiliser les basiques, je vais aller ouvrir les pierres 4, parce que j'en ai un bon petit stock. Ouais, vous voyez, encore le problème de connexion, hein, comme je vous ai dit. Il va prendre un sacré indice, je pense, hein. Il va passer, je pense, premier. Ah ouais, putain, et de loin. Il va passer premier 4 étoiles et de loin.
Et donc on aura ouvert pas mal de cristaux là pour un simple up. Mais ça en vaut la peine. Parce que là, il y a moyen que je fasse du chaos quand même. Il y a moyen que je fasse du chaos. Il y a intérêt en tout cas. Alors, les pierres 4, elles sont où? 69. J'en ai pas tant que ça à ouvrir. Donc, il me faudrait 27. Une connerie dans le genre. Donc, je pense qu'on va quand même utiliser du basique. Mais le but serait d'en utiliser le moins possible. Ok, 13. Et elles sont toutes quasiment à part tech où j'en ai pas eu exactement comme les autres. A priori, on a eu tout ce qu'il fallait. Enfin, de manière équilibrée, je veux dire. Et donc, le petit Korg qui s'apprête à être au max. Donc il va manquer 13. Donc ça va, on n'utilise que 13 basiques. J'en ai quoi? J'en ai 20 de mémoire. Ouais, c'est ça. Et voilà. Alors, il monte à combien? 9, 6006 ou pas? Ah! Il faut aller le voir pour ça. Ah oui, non. Faut mettre un 10 de héros. Et donc, a priori, il passe premier 4 étoiles. Ah ouais, il est dans le top 8, hein. Il est dans le top 8. C'est assez incroyable. Ça, c'est fait. Et comme d'habitude. Putain, 18 000 de vie, c'est ouf. C'est ouf. Et comme d'habitude, on va aller le tester. Ah oh, putain, je suis en quête. Chier. On va tester en duel, hein, c'est pas grave. Oula, c'est pas l'alliance ça. Je ne le connais pas particulièrement. Ce que je sais, c'est que enfin, y a moyen qu'il soit imbloquable. Il y a moyen de mettre des saignements. Alors, est-ce que je vais avoir du science sympathique à battre? Le petit Hulk. Ouais, mais ça fait chier. Si je me mange un SP3, ça va faire mal. Oh, on se fait kiffer, on se fait kiffer. Bon, allez, on va se faire une magic. On va se faire une magic. On va s'en foutre un peu des limbes. Il est où le Korg? Il est là. Putain, ça fait kiffer. Hein. Ça fait kiffer de voir Korg 5R5. 4R5, pardon. C'est vrai que ça fait. C'est pas. Les 4R5, c'est pas souvent que j'en monte. Hein. Vous voyez que ça coûte vraiment cher. 8 catabasiques quand même. C'est assez relou. Allez. Voilà, vous voyez, quand on prend des coups dans la garde, ça monte un peu de ses buffs. C'est vrai que je le connais vraiment pas. Je peux vraiment pas vous dire comment il fonctionne. Je le connais vraiment pas. Mais on va tester sa puissance sans le connaître, c'est pas grave. Bon, par contre, évidemment, les limbes, ça fait mal. Vous voyez que là, j'étais imbloquable. A priori, c'est quand ces buffs là-haut orange montent, ça fait bobo. Donc les limbes lui ont redonné de la vie, c'est pas grave, hein. Merde. Ouh, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, ça met un brise-armure. Très bien. Allez, le SP2. Ah bah là vous voyez ça aurait été cool qu'ils soient imbloquables parce que j'ai foiré mon spé. Allez. Si on pouvait ne pas mourir à cause des limbes. Voilà, ça n'a pas activé. Merci l'étourdissement. Putain, on prend cher avec les limbes quand même, hein. Allez, on va essayer de pas activer celle-là. Bon, de toute façon on s'en fout, on va la tuer. Allez, le petit imbloquable, ok. Donc c'est quand ça passe à 6 qui devient imbloquable. Sur tous les coups peut-être, je sais pas. Je vous avoue que je le connais pas. Je vous avoue que je le connais pas. Donc bah on va se prendre un malin plaisir à l'utiliser en donjon. Parce qu'en plus, il y a les donjons science en cours. Donc il va falloir que je rush. Mais excellent, franchement, je suis super content. Parce que le chef de mon alliance le voulait. Et donc voilà, le Kang est 5R5. Ah, 4R5, pardon. Et ça fait kiffer. Donc peut-être que je vous ferai une vidéo pour son utilisation, si vraiment ça nécessite une explication, parce que je trouve que ça fait kiffer de monter ce corps, vu que c'est un perso récent,
et j'ai pas l'habitude de monter des persos récents. Bon, en tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Il y a eu quand même un petit opening sympathique avec, qui a été vraiment, vraiment cool, parce que j'ai pas forcément eu exactement ce que je voulais, hein, dans la quantité que je voulais, mais dans la globalité, il a été très, très intéressant, notamment quand j'ai ouvert les 10 et que j'ai obtenu 3 katas en entier, donc c'est plutôt sympathique. Voilà, sur ce, bah, passez une bonne fin de journée ou bonne fin de soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, et on se retrouve plus tard sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde!